Deuxième journée de Stade Nautique, samedi à Dunkerque pour le premier acte du Tour Voile 2018. Pour beaucoup, l'heure est encore à la construction des automatismes, au façonnage des petites habitudes qui font performer une équipe. On a besoin de se caler un peu sur le début du tour, mais on a vu hier qu'on était capable de faire des belles choses, de rivaliser devant, donc prendre du plaisir et progresser tout au long du tour. Vainqueur vendredi de la première finale, Team Réseau XIO amorce donc cette deuxième journée de régate en position de leader, moral au beau fixe. Bah c'est cool, on est en pole position après une première bonne journée. On va essayer de refaire une deuxième journée, faut pas s'enflammer, faut rester concentré. On a eu des bons briefs ce matin, que ce soit météo ou tactique sur la journée, donc les gars vont faire le travail, c'est sûr. Samedi matin, dans l'élan de la démonstration de la veille, Team Réseau XIO et son équipage formé par Team France Jeunes remportent 3 manches de qualification et se hissent dans le top 8 du jour. Mais en finale, Team Réseau XIO termine 7e et cède le Genaker bleu de leader du classement général à Béjaflor, vainqueur du jour devant Céline Arabia et Lorina Limonade, golf du Morbihan. Ah bah c'est du bonheur là, on s'est régalé aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir sur l'eau et puis d'avoir le Genaker bleu pour demain, c'est du plaisir. Il reste encore 13 journées de course avant la fin du tour à Nice. Donc il faut rester concentré, il faut rester sur les mêmes bases et puis essayer de continuer de la même manière.